Hey, c'est la nouvelle arnaque du moment. Pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, bien sûr. À ce qui paraît, les petits malins s'amusent à écouler de faux billets utilisés au cinéma. Autant le dire, cette nouvelle arnaque a fait des victimes un peu partout en France. Y compris même dans l'Avesnois très récemment, comme le fait remarquer la Gendarmerie du Nord sur son groupe Facebook. Certains s'amusent donc à acheter sur internet des billets pour le cinéma ou la magie et les écoulent ensuite dans les commerces. J'ai toujours rêvé de faire ça. D'ailleurs, ils sont très faciles à trouver, comme sur ce site d'accessoires de magie qui vend par exemple ce lot de 5 billets de 10 euros pour 9,90 euros. C'est limite rentable, enfin bon. Des billets assez réalistes, même s'il y a souvent une mention qui indique que c'est fait pour le spectacle ou le cinéma. En général, le papier n'est pas de super qualité. Il n'y a pas non plus les filigranes ou les bandes argentées. Bon, faut être honnête, parfois ils sont très mal faits. J'en ai un là. C'est un peu dégueu. C'est moche. C'est vrai qu'on se rend compte assez vite. Au passage, les trafiquants risquent quand même de graves sanctions. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sinon, bonne nouvelle, il y a des nouveaux billets de 100 et 200 euros qui sont mis en circulation. Plus lumineux, plus pratique, plus sécurisé. Génial! Même si je suis pas certain d'en voir très souvent dans mon portefeuille, enfin je dis ça... Je dis rien.